C'est fini. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Heroes. Et c'est fini puisque normalement ce sera la dernière vidéo My Hero Academia qu'il y aura sur la chaîne. Puisque la collaboration, on va dire, avec le film est terminée. Est terminée au moment où cette vidéo sort et moi il est en train de se terminer. Et en fait, je vais vous dire mon avis, hein, sur cette collaboration, tout ça. Mais même si cette collaboration était sympa, voilà, franchement, je sais pas ce qu'ils vont annoncer plus tard dans le jeu, hein, mais elle était pas folle. Hein, voilà, je spoil direct. Hein, elle était vraiment pas folle, cette collab, cet event, quoi. Et du coup, je n'ai plus envie de faire de vidéos sur la chaîne. De toute façon, vous avez bien vu, hein, ces derniers temps, je n'ai quasiment plus fait de vidéos My Hero Academia sur la chaîne. Puisque, bah, déjà, j'avais plus envie de jouer au jeu quasiment. Je faisais que des vidéos invoques ou présentations de personnages. Là, je pense qu'il n'y en aura plus du tout. Je continuerai sûrement, moi, de mon côté, à me co de temps en temps. Mais c'est tout. Peut-être qu'il y aura une vidéo invocation dans 6 mois si j'ai suffisamment de ressources et qu'il y a un truc intéressant, mais c'est même pas sûr, on verra. Voilà, pour moi, je pense que c'est la dernière vidéo. Voilà, je pars du principe que ce sera la dernière vidéo My Hero Academia sur la chaîne. Je sais que la chaîne a vraiment décollé, on va dire, en tout cas, a bien pris grâce au jeu My Hero Academia, donc ça fait bizarre de devoir l'arrêter, mais en même temps, de toute façon, le jeu, franchement, il me donne plus envie. Hein. Donc voilà, c'est terminé. Donc, avant, hein, de terminer tout ça, j'ai envie de donner mon avis sur la collab. Pourquoi, pour moi, c'est terminé. Hein, même si, de toute façon, avant la collab, je vous avais dit que, en fonction de ce qui arriverait dans la collab, tout ça, j'arrêterais ou pas le jeu, les vidéos, tout ça. Et même si la collab était sympa, on a eu... trois portails toutes les deux, enfin un portail toutes les deux semaines, donc trois portails avec les trois nouveaux personnages. Certes, j'ai eu les trois nouveaux personnages. Certes, ils ont été quand même assez sympas au niveau ressources parce qu'on a eu quand même beaucoup de ressources, que ça soit grâce au shop ici où on avait quand même une carte ex de chaque personnage offerte, on avait des tickets offerts, on a eu beaucoup de multi offertes en fait, hein, sur le personnage. Enfin, sur les portails comme ça, quand même pas mal de ressources à récupérer. On a eu aussi pas mal d'hero coins à récupérer, hein, il faut se le dire. Alors, non, je sais plus où il est, mais je crois qu'il y est plus. Il y avait le bonus de connexion. Ouais, là, voilà. Voilà, on avait quand même beaucoup de choses à récupérer. Mais c'était trois fois la même chose. C'était pas intéressant à faire. On pouvait le faire en auto sans vraiment. Voilà. Quand. Pour moi, hein, l'event était sympa sans plus. C'est-à-dire que, ouais, on avait un event où il fallait farm. En fait, il fallait faire la même mission 50 fois par jour pendant 2 semaines pour réussir à avoir la carte X. Alors, c'est bien, ça encourage le farm, tout ça. Mais c'était absolument pas intéressant. Trois fois la même chose sur des personnages différents. Mais bon, voilà, sans plus. Quand ils ont mis tout ça, pour moi, c'était... Ok, ils ont... fait aucun event, ils ont rien fait pendant 3 mois sur le jeu pour nous offrir ça. Voilà, que ça on va dire. Et j'ai trouvé que c'était un peu du foutage de gueule quand même. Parce que nous annoncer une grosse collab machin, un gros event. Alors oui, l'event a duré plus d'un mois. Ok, c'est un gros event. Mais rempli avec beaucoup d'air. Et c'est ce qu'il y a depuis le début dans le jeu, hein. Moi, je continue à le soutenir parce que c'est une licence que j'adore, My Hero Academia. C'est peut-être ma licence préférée, quoi. Donc, je continue à le soutenir. Je continuais, j'espérais. Voilà, j'espérais de toutes mes forces, on va dire, que le jeu allait se reprendre avec cet event, tout ça. Et après, on aurait un vent de fraîcheur, quoi. Mais même s'ils ont fait un effort, qui n'est pas... pas négligeable, franchement, c'était plutôt sympa pour l'effort avec beaucoup de ressources, tout ça. Avec aussi, il faut pas oublier, hein, avec les singles gratuites sur tous les portails, enfin sur chaque portail, les nouveaux portails surtout. Donc c'était vraiment très intéressant, ça, franchement. C'était un bon event de faire justement ça, mais disons que donner des tickets exceptionnels pour un portail et les tickets que tu ne pourras plus jamais les utiliser, que ça soit
pour les cartes passives, les cartes actives ou le personnage. Voilà, déjà c'est un foutage de gueule depuis le début avec tous ces différents tickets, mais là encore plus avec les trucs. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment trop, je trouve. Je me suis bien éclaté, moi, en jouant les différents personnages, hein, que ce soit Izuku, Shoto ou Bakugo. Bakugo qui est vraiment très intéressant en PvP arène, franchement, j'aime bien le jouer. Mais je trouve que ça ne suffit plus pour moi. Avant, les personnages suffisaient à peu près. Là, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça me donne pas envie de faire des vidéos dessus. Donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de continuer. Hein. Voilà, ça va s'arrêter sur la chaîne, tout simplement. Donc, c'était vraiment. Bah, c'est vraiment un jeu qui devait me plaire à la base. Hein. Franchement, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais c'est parce que, en même temps. J'ai pas envie que le jeu se casse la gueule, mais en fait il s'est déjà cassé la gueule depuis longtemps quoi. J'espérais tellement qu'il allait avoir quelque chose de bien que je suis déçu. Et là en le disant à haute voix hein, pour faire cette vidéo, bah, je m'en rends encore plus compte. Et du coup bah, j'ai du mal à trouver mes mots parce que ça me peine en fait en quelque sorte. Parce que ce jeu annonçait vraiment... J'étais tellement hype au début. Et qu'aujourd'hui, rien qu'en disant bah, ça, que j'arrête hein, de faire des vidéos dessus, le fait que tout ça m'a déçu, surtout les ventes où on a attendu 3 mois pour ça, quoi. Bah, du coup, ouais, ça fout un coup. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis My Hero Academia, hein, par rapport au live que je faisais dessus ou par rapport aux vidéos. Merci énormément. J'espère que vous continuerez à me suivre hein, sur d'autres jeux. En ce moment, il y a Slime auquel je joue beaucoup. Il y aura sûrement Eden Zero qui arrivera à un moment ou un autre. Vraiment, il devait sortir avant la fin de l'année, mais bon, on verra. Je sais pas trop s'il sera bien ou pas, mais bon, voilà. Et potentiellement d'autres jeux, on verra quand ils sortiront. Mais j'espère que vous continuerez à me suivre. Mais ou sinon, merci énormément hein, à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. Bientôt, on a atteint les 3K. Ça fait extrêmement plaisir. Et ben voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous jouez toujours au jeu, si vous cette collab, cet event du film. Mais vous a fait envie, est-ce que pour vous c'était un très bon event ou pas? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis curieux de savoir un peu vous ce que vous pensez par rapport à cet event, par rapport au ressenti du jeu et tout. Je sais que beaucoup de personnes ont arrêté le jeu, hein. Beaucoup beaucoup de personnes ont arrêté le jeu. Mais moi je me suis accroché, voilà, je me suis accroché comme un enfant s'accrocherait à sa mère, on va dire. Je me suis tellement accroché dessus le jeu que là, voilà, je peux plus en fait aujourd'hui, c'est fini quoi. Il m'a tellement saoulé, ça m'a tellement dégoûté que voilà, je suis obligé de terminer dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle aventure sur My Hero Academia en live et tout, c'était vraiment marrant. Les lives vont continuer, ils vont reprendre même, hein, normalement. Alors, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais normalement, soit les lives vont reprendre direct, soit bien, enfin là, dans les jours qui viennent, soit ça a déjà repris les lives sur Slime. Mais voilà, n'hésitez pas hein, à continuer à me suivre, que ce soit en live ou en vidéo. Encore merci à tous. Moi je vous dis à la prochaine. Jouez bien, kiffez bien, amusez-vous, faites voilà. C'est le plus important, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci. Ciao.